26 cibles alignées au sein du gymnase Maurice Baquet. Comme chaque année avant les fêtes de Noël, les archers de Guyancourt organisaient ce week-end leur grand tournoi. On finit entre guillemets la phase de préparation pour les bons athlètes qui eux vont pouvoir s'aligner derrière sur les championnats départementaux, régionaux ou alors le championnat de France qui a lieu deuxième quinzaine de février. Trois départs différents sur tout le week-end avant les finales du dimanche après-midi. 235 archers sont venus disputer leurs flèches, un tournoi ouvert à tous. On accueille les gens qui sont en e-sport. On les classe avec, mais ils ont aussi une licence supplémentaire, une licence en e-sport, qui leur permet d'être comptabilisés dans le classement national en e-sport. Tous les participants ont le même objectif. Toucher la cible. Chacun son arc et chacun sa technique pour toucher dans le mille. Je chante en fait pour essayer de vraiment rester bien concentré, de bien lever la tête, de se tenir droite, etc. J'essaie essentiellement de faire le vide et justement de penser que à la cible et que au geste à réaliser. Prochain rendez-vous pour les archers de Guyancourt, l'accueil du championnat régional adulte au mois de février.